الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous finissons nos 15e session de explication de l'usul al-fiqh et nous finissons couvrir 5 premières sources et Coran, Sunna, Ijma, Qiyas. C'est ben Adillatul Ahkam qui nous fait dire qui puis la divergence l'oula parmi ben savants. Ensuite nous fin cause le maslaha mursala la dernière session et ça c'était une source qui un Adilla une preuve de la Sharia qui ben savants fin diverger l'oula. Alors nous reste quelques ben les autres preuves qui ben savants fin servir pour déduire la loi. Et c'est une preuve toujours qui nous appelle l'adilla al-mukhtalafu fiha. Une preuve dans laquelle les savants font diverger. Est-ce qu'ils sont capables de servir cette source-là comme une base pour donner une ruling, une ahkam? Alors, nous allons dire Coran, Sunna, Qiyas, Ijma. En général, il y a Ijma, il y a consensus qui s'accorde là. Coran, Sunna, Ijma, Qiyas. Les savants sont d'accord que c'est la source, c'est quatre sources dans lesquelles. Je vais baser pour déduire ben ahkam. Maslaha mursala, une source qui est en divergence. Mais j'ai dit la dernière fois que, quand ben savant, je fais recherche, je trouvais que, malgré que c'est ben savant, fin dire que maslaha n'est pas une source de la charia, mais c'est moi, je ben fatwa, je fais une servili, mais sous un autre terme. Par exemple, il y a un principe qui appelle istihsan, il est pris avec maslaha mursala. Alors finalement, maslaha mursala, quand nous guettons, tout ben madhab, je servili, mais seulement, Madhab qui servit le plus beaucoup, c'est Ben Maliki, Ben Savant de Madhab Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal en deuxième position. Alors, ça, c'était une fin de cause l'eau là la dernière fois. Pour aujourd'hui, nous avons cause l'eau un autre source qui est très important, qui est connu comme Qawlu Sahabi, parole d'un Sahaba ou bien Ra'yu Sahabi, Fatwa Sahabi, Fatwa d'un Sahaba, l'opinion d'un Sahaba aussi appelé. Madhab ou Sahabi, Madhab de un Sahabi, veut dire un Sahaba, ce parole, ce fatwa qu'il est fin donné, est-ce qu'il dans lui-même il y a une preuve de la charia? Alors, ça, il y a une divergence parmi les savants, mais seulement avant d'aller plus loin, nous devons être précis dans définir c'est quoi qui nous peut remettre par Qawlu Sahabi, parole de un Sahaba, fatwa de un Sahabi. Donc, ça comment à ce moment-là, je veux bien comprendre bien. Sinon, toute explication qui vient après, nous pas pour comprendre. Nous pour mal comprendre, nous pour faire erreur de comprendre. Donc, nous demandons à Allah ce moment-là, doa qu'il aide nous pour nous capables expliquer ça, masla-là. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, oh Allah, épanouir mon la poitrine. Wa hlul uqdatan min lisani. Facilite mon travail et délie mon langue afin qu'il m'ajoute à comprendre mes paroles. Donc nous cherchons aide avec Allah ce moment-là et il facilite pour nous nos tâches. Alors, nous expliquons maintenant qui veut dire Qawlu Sahabi. Premier point. Quand nous disons Qawlu Sahabi, un Sahaba, une dienne qui tueuse, sa qui tueuse qui lui fin dire là, il n'est pas capable de base l'eau ijtihad. Veut dire Sahaba là, il n'est pas capable de tirer sa part, ce déduction. Un exemple. Il y a dans Muwatta Imam Malik, une parole d'un Sahabi qui appelle Sahl bin Saad al-Sa'idi. Sahl bin Saad al-Sa'idi, il dit Sa'atan yuftahu lahuma abwabu sama. Il y a deux moments. Que ban peau de les ciels, ban la peau dans les ciels est ouverte. Wa qalla da'in turaddu alayhi da'watuhu. Et dans ce moment-là, bien qu'il y ait des gens qui se doa, ou bien, veut dire, il est difficile pour un gens se doa n'a pas été accepté. Qalla da'in turaddu alayhi da'watuhu. Il est difficile pour qu'un gens se doa pas accepté. Alors, Sahl bin Saad qui dit, il y a deux moments. Quand ben la porte des cieux, de les ciels plutôt, ben la porte de les ciels est ouverte. Et il est très difficile pour qu'un djimoun se doit pas être accepté.
Il dit Hadratun Nida li sala wa safu fi sabilillah. Au moment qu'il peut donner Iqama et un djimoub et un djimoub dans saf, ça est le premier moment que dua difficile vous ne doit pas accepter. Par expression que le prophète dit Qal da'in turaddu alayhi da'watuhu. Bien difficile ça. Pour qu'un djimoub se doit pas accepter de ce moment-là. Wa safu fi sabilillah. Longtemps que tu peux faire djihad, tu peux la guerre en rang. Un djimoub met tout en rang pour juste la guerre. On dans saf. Alors, au moment qu'il peut rentrer dans saf pour faire djihad, des moments que l'apôtre, les ciels, banne l'apôtre au pluriel, banne l'apôtre dans le ciel y ouvert. Et qui difficile pour qu'un djimoun se doit n'a pas accepté. Quand il débute pour faire cela, il peut donner ikrama. Un djimoun peut rentrer dans saf, il peut donner ikrama. Et deuxième, quand djimoun peut mettre dans saf pour faire djihad. Sa parole de ce sahabi-là, Sahal bin Saad, c'est dans Muwatta Imam Malik. Dans Muwatta Imam Malik. Même dans Science Hadith, il y a un principe qui, quand un sahaba dit une parole, et sa parole-là, sahaba-là pas capable de dire sa parole déduction. Il y a une bizarre depuis le prophète. Alors, sa parole de ce sahabi-là, il est considéré comme un hadith qui est marfou. Un hadith qui émane de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le point ici, c'est quoi? C'est qu'il y a un sahaba indien qui tueuse, qui n'est pas capable de dire sa part sur l'opinion. Comment ici? Comment un sahaba là peut connaître qui, dans sa lien là, a accepté les droits? Il n'est pas capable de connaître ça pour déduction. Comment un sahaba là n'est pas capable de connaître qui, la porte les ciels ouverte dans ce moment là, dans ces deux moments là? Pas capable de parler ça. Veut dire qu'il fait une misère dans ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, quand un sahaba indien une parole pareille, ça. Dans lui-même, il y a une preuve. Parce qu'il n'est pas être considéré comme sa parole, ça. Ça, il est considéré comme parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, malgré qu'il peut dire, Sahabala peut dire sa parole-là, il n'est pas dire que les prophètes finissent dire, ça, ce n'est pas nous masla pour aujourd'hui, là. Ça, littéralement, c'est Qawlus Sahab. Littéralement, c'est une parole d'un Sahaba, mais seulement, en vérité, c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est une preuve dans lui-même. Ça, il y a une preuve dans les mêmes. Quand un sahaba peut dire une quitteuse qui n'est pas possible, qui sahaba l'a dit, ça passe sur l'opinion, ça, il y a une, sa quitteuse là, il y a une preuve dans les mêmes. Right? Et qui fait un sahaba, je dis une quitteuse pareil, je ne pas dire que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vient dire, un sahaba, tellement je tiens à ta quoi pour Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, je tiens à tellement ta quoi pour Allah, subhanahu wa ta'ala, qui bien souvent, je dis un hadith, je te paye attention qui je te fais errer. La conscience ne veut pas dire qu'il prophète fin de dire. Mais que je dis la parole là comme ça même. Attention qui, je te peux faire errer dans transmettre la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La cause ça qui, je n'ai pas dit prophète fin de dire. Donc, ça, il n'y a pas de nous là pour aujourd'hui. Ça, dans lui-même, il y a une preuve. Ça, c'est un sahaba, un qui se pareil, qui pas basé sur l'opinion. Ça qui se là, sa parole qu'il dit là, il y a une preuve dans lui-même. Mais il y a divergence tout là. Deuxième point, c'est parole de Ban Sahaba, l'Ouen Masla, mais seulement sa parole que Sahabi là finit dire, un autre finit dire le contraire. Un Sahaba il prononce l'Ouen Masla, il dit une fatwa, l'Ouen Masla, mais un autre Sahabi finit dire le contraire. Donc, là qu'il y en a là, il y en a deux paroles différentes de deux Sahaba, le même issue. Ça, quand le sahabi là, ça, c'est pas une preuve, ça, c'est pas une divergence. Dans les mêmes pas, ça, des paroles là, parce que c'est contradictoire, ça va pas diverger, qui je dis non, mais ça, il pas, veut dire, il y a des opinions différentes, vous avez choisi, là, vous avez fait ijtihad, ça va quand arrive une situation pareille, que le sahaba, je fais une contredire entre eux même, et là, le sahaba, le mujtahidi, le savant qui vient après, je choisi, je guette laquelle parole qui d'après eux, les plus près avec Coran et Sunna. Je pèse parole de ça des groupes sahaba là, ou bien des sahaba. Parfois même l'un masla, pas nécessaire des sahaba. Parfois même l'un masla, nous capable de gagner 3-4 l'opinion, veut dire 3-4 l'opinion parmi les sahaba. Alors, ça, c'est pas masla qui n'est pas causé aujourd'hui. Nous prenons l'exemple. Dans Moussanaf Abdurrazak, il y a un athar, quand on dit athar, c'est une parole qui vient de bien sahabi. Qui est une madame Vindiman Ibn Mas'ud concernant Huli, veut dire un bijou qu'elle madame lui servit. Est-ce qu'il peut dire zakat? Ibn Mas'ud vient dire Ida balara mi atay dirham fazakihi. Alors, Ibn Mas'ud vient dire avec sa madame là, si ton bijou vient atteindre 200 dirhams,
dirham, c'était une maison d'eau, ben, ça, c'est une histoire de boulot. Si tout bijou n'arrive à aller à 200 dirhams, alors tu es obligé de faire zakat. Right. Alors là, nous trouvons qui, basant les paroles de ce sahabi-là, qui dans bijou qui bat madame, c'est vie, il a zakat. Quand il a tel ni sob. Dans mon temps, Imam Malik, nous avons un autre affaire. Quand Imam Malik, par rapport depuis Nafi, c'est l'esclave libéré de Hazrat Ibn Omar. Hazrat Abdoulaye Ibn Omar, c'est l'esclave libéré. Nafi, lui-même, c'est un grand savant. Libéré par rapport depuis Abdoulaye Ibn Omar, il dit Abdallah bin Omar, kana yuhalli banatahu wa jawarihi al-dhahab, thumma la yukhriju min huliyihinna al-zaka. Ibn Omar, il te permet ban bijoux avec ce bantifi et ce ban esclave. Ben l'esclave madame, et il participe à zakat depuis sa ban bijou là. Alors, ça, un affaire qui montre qui Ibn Omar, sur l'opinion, c'est qu'il y a un bijou qui est utilisé par ban madame, peine pour tirer zakat. Donc, il y a des opinions contradictoires depuis ban sahaba. Alors, ça, dans eux même, ça n'est pas une preuve. Alors, un savant pour venir pour dire, mais Ibn Masroud finit dire, il y a zakat. Un autre pour venir pour dire, mais Ibn Omar finit dire, peine à zakat. Alors, il n'y a pas tenir comme preuve. Alors, bien qu'il y ait laquelle, il y a les autres preuves externes qui viennent supporter un de ces opinions-là. Alors, qui m'a savant je te fais dans une situation pareille, Ibn Taymiyyah lui dit, wa in tanaza'u rudda ma tanaza'u fihi ila Allahi wa Rasul. Si ben sahaba fin diverger entre eux-mêmes, alors qui vous a fait, vous a retourné cette divergence-là à Allah et son Rasul. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. بن سافون à l'unanimité d'accord qui un sahaba sur parole n'est pas une preuve contre un autre sahaba sur parole dans une situation pareille. Parce qu'ils ont fait diverger. Alors, principe là, c'est qu'ils se retournent vers Allah et son Rasoul. Ça, c'est pas ça, basé dans le Coran. Atiyu Allah wa atiyu Rasoul wa ulil amri wa minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous faites diverger, retourne l'affaire à Allah et son Rasoul. Alors là, nous tient une conclusion. Mais demain, si nous trouvons un ban du monde, peut dire bzal le kabar pour qu'il n'y ait pas fait de doigt, car le kabar doit accepter plus bien, un ban savant dit non, mais peine à preuve qui kabar c'est une place que nous allons faire de doigt, comme un ban peut prétendre. Mais si Sahaba divergé, alors, le bébé retourne vers Allah et son Rasoul, mais si un bandimoun peut venir, peut venir claim qui, car le kabar est tel, doit plus accepter. Un bandimoun peut dire, non, pas gagner droit à ça, mais qui nous besoin faire? Et j'ai tout qui s'est fait kabar, montrer du monde à ta slèque, du monde avec kabar, faire du monde détourner avec Allah, faire du monde croire, gagner confiance dans l'insan, oublier Allah, gagner confiance dans la créature. Alors, qui par exemple, il y a beaucoup de hadith, qui par exemple, dans ma zid, nous trouvons, moi, petite parenthèse, parce qu'il nous trouve, bandimoun peut dire, ma kitseuse, Pédiaman Kitseuse qui. Vous ne comprenez pas, il est tellement la fausseté, et du monde peut persister avec Man Kitseuse pareil. Nous ne faisons que trouver là, parole de Sahaba, quand il y a des moments qui doivent n'a pas rejeté. Quand Pédiboud dans Saf, quand il y a un Iqama, Pédiboud dans Saf. Quand Pédiboud dans Saf pour faire djihad. Ça, délai, quand doivent n'a pas rejeté. Doivent n'a pas rejeté. Hadith clair, mais qui fait du monde pas mettre l'emphase, l'eau, ça qui est clair de Hadith. Du monde peut raconter rêve, peut raconter rêve, un tel, tu as le kabar, un tel, et tu as fait doa, doa, tu as accepté, mais tu as fait équiper la source, rêve n'a pas une source dans le dîner à l'islam. Rêve n'a pas une source dans le dîner à l'islam. Dîner à l'islam, c'est Coran et Sunna, et le principe est clair, même Sahaba, qu'est-ce que nous trouvons là? Sahaba peut diverger, qui bien fait, bien retourne vers Allah et son Rasoul. Comment le fin dire beaucoup moins cela, ben ça va fin diverger. Mais aujourd'hui, si un man peut dire le kabar, un man peut dire ne pas gagner droit. Mais nous guetter, est-ce qu'il y a le Coran et le Hadith, il y a sa bande qui se là. Coran et le Hadith, il y a nous attachent nous l'équipe avec créature qui nous ou bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est clair. Il y a tellement de Hadith qui disent nous, par exemple, la vertu de Masjid, il y a Hadith et il y a aussi une parole de ben Sahaba. C'est lui qui parle dans la case Allah, puis le Masjid dans ce sens-là. C'est un visiteur, il peut visiter la case Allah. Et il y a un devoir, le hadith a mentionné, il y a un devoir, celui qui peut visiter la case Allah pour qu'Allah honore. Mais qui fait ne pas dire un hadith comme ça pour faire du monde à ta zot leke avec Allah? Hadith là qui dit, c'est lui qui fait ce wazou bien,
اللي فيها واجو سو لاكاز اللي فيها سو واجو بيان يا المسجد لان زائر الله لي بروفيت سافي لي مو زائر الله لي بيغان الله فيزيت باسكو المسجد سي لاكاز الله اي لي بروفيت دير لين دوفوا لو سيلي كي بي اد فيزيتي بو لي او نو سيلي كي بي فيزيت لي بي دير لين دوفوا لو الله الله فين في سا فينن il fait une wa'ada lui-même, une promesse lui-même qu'il est pour honorer celui qui visite lui, qui vient de sur la case. Veut dire, dans le masjid, doit accepter Allah honore. Mais je trouve un tas de monde qui raconte un tel qui a le kabar, se doit accepter. Et met tellement l'emphase au kabar. Mais, nous pouvons tout ça dans l'enseignement. Après, nous disons, nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous disons, nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, il est comme ça, c'est jahala fin. Propagé parmi la communauté, et ça c'est un danger, ça qu'on nous suive ça qui dit mon dire aveuglement. La cause, il fallait pas nous venir comme Ahlul Kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ici, pour nous retourner avec nos masla, man sahaba fin dire comme un sahaba finit la différence, divergence loin de masla, nous faisons retourner vers Allah et son Rasoul. Astir, nous venons avec un troisième point. Jusqu'à l'heure, nous pouvons encore venir avec nos masla qui nous peut causer. Là. Nous pouvons dire quelque chose qui parle d'un masla qui nous peut causer. Troisième point. Quand le sahabi, parole d'un sahabi qui qualifie une djenne par un sahaba fin djenne quelque chose, il n'y a aucun sahaba qui fait une contre-djenne. Et sa parole qui lui fait dire là, un sahaba fin connaît qui lui fait dire. Vous redire? Parole d'un sahaba, un sahaba fin djenne quelque chose, il donne une fatwa. Aucun sahaba pas fin contredire lui, malgré qu'il ne connaît qu'il fin dire. Alors ça, il est considéré comme ijma soukouti. Retourne avec le son de ijma, nous fais une leçon de ijma, appelle ça ijma soukouti. C'est un consensus, un tacite consensus. Veut dire, ben les autres sahaba pas fin contredire lui, veut dire ce qu'il fin dire bien bon. Bien, ben sahaba bien tombe d'accord avec ce qu'il fin dire, donc il est considéré comme consensus. Donc ça, trois masla là, c'est pas ça qui nous peut causer. Vous voulez dire. Premier point, quand on veut dire qu'au sahabi, c'est qui veut dire qu'au sahabi. Qu'au sahabi, pas veut dire quand un sahaba dit une parole, qui sa parole là, il n'est pas possible qu'il dise ça pour l'opinion. Il ne dit pas ça pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas nous masla ici. Si un sahaba dit une quitteuse, qui sa quitteuse là, il ne dit pas ça pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas nous masla. Déjà, quand un sahaba dit une parole, il y a divergence entre un sahaba. Zut parole entre zut n'est pas une preuve pour l'ouban les zut parce que je vais contredire un peut dire ça l'autre peut dire ça dans lui-même sa bonne parole là n'est pas une preuve ça par ittifaq par consensus des bons savants. Troisième, c'est quand un sahaba dit une parole et sa parole là il fait une fatwa, il fait une fatwa, une opinion qui tout bon les autres sahaba il connaît personne pas fait une contredire ça il y a une preuve dans lui-même il est considéré comme ijma. Astère nous vient avec nos masla, c'est quand un sahaba il dit une parole, quand un sahaba, il dit une parole, et sa parole là, et ben les autres sahaba pas connaissent pas ce fin d'ordre, mais ce pas fin d'ordre, mais c'est vraiment pas une personne qui ne contredit lui. Un sahaba donne une fatwa, pas connaissent pas les autres sahaba, il connaît ou bien pas il connaît, et mais c'est vraiment pas les autres sahaba qui disent, qui prononcent le samasla là. Et une seule parole qui le samasla, c'est d'un seul sahaba, les autres pas connaissent qui fin dire. Alors, ben les autres là, je ne connais pas sa fatwa là, ni je fais une prononcer, je même l'osa fatwa, l'osa ishu là. Donc, ça c'est masla qui nous peut causer. Alors, on va dire, quand le sahabi nous définit, quand le sahabi, c'est quand un sahaba il donne une fatwa, il n'y a aucun sahaba qui fait une contredire lui. Il n'y a aucun sahaba qui fait une contredire lui. Mais seulement, nous ne connaissons pas les autres sahaba, ils ne connaissent qu'il fait une dire. Est-ce que sa parole là, il fait une proposée par les autres sahaba? Alors, quelle différence est-ce entre ce qui nous vient de là avec le point qui nous vient de dire avant? Un sahaba dit une fatwa. Ben, les autres sahaba connaissent qu'il est fin de dire. Et je pas fait une contre-dire. Ça nous connaît qui ça l'opinion là, il est considéré comme ijma. Ijma soukouti, nous obligé à prendre ça l'opinion là. Mais, le point qui nous peut causer ici, c'est un sahaba dit une fatwa. Sa fatwa là, il peut être contredit par les autres sahaba. Il n'y a personne qui prend un sahaba qui fait une contre-dire, mais seulement nous ne connaissons pas tout sahaba qui connaît. Qui ce sahabi là fin dire? Alors, l'eau sa point là est la divergence. L'eau sa point là est la divergence. Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il est obligé suivre ce que ce sahabi là fin dire? Ou bien il n'y a pas une preuve dans lui-même? Nous avons besoin de Quran, Sunna pour venir supporter nos masla. Alors, ben, ça avance de faire diverger l'eau là.
Alors, nous avons une parole de Ibn Taymiyyah, il dit: وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر. Ibn Taymiyyah il dit: si un sahabi lui fait une jeune parole, si un sahabi lui fait une jeune parole, peine aucun sahaba qui fait contredire sa parole, ولم ينتشر, et sa parole pas fait propager par les autres sahaba. فهذا فيه نزاع. Dans ce masla-là, il y a divergence. جمهور العلماء يحتجون به. La grande majeure partie du Ban Savant, je considère sa qawlu sahabila, parole de ce sahaba-là, comme une preuve dans l'imam. Comme Abu Hanifa, Kabi Hanifa, wa Malik, wa Ahmad, fil mashhuri anhu. Et l'iconnu de l'imam Ahmad qui lui considère ça comme une preuve. Mais il y a les autres narrations qui viennent de l'imam Ahmad qui lui pas fait considérer qawlu sahabi comme preuve. Mais ce qui est plus connu de l'imam Ahmad, c'est qu'il lui considère ça comme preuve. Wa Shafi'i fi ahadi qawlayhi. Et Shafiri, dans ce Shafiri, Imam Shafiri, il a deux paroles. Il y a une parole à un moment qu'Imam Shafiri fait considérer Qawlu Sahabi comme preuve. Après, ce qui paraît, c'est ce dernier opinion. La cause, ça, Imam Shafiri, malgré qu'il apprend un petit peu la législation islamique, par exemple, le frère Zayd peut faire une leçon sur la législation islamique. Nous, Imam Shafiri, comme je dis, il a deux madhabli. المذهب القديم والمذهب الجديد. إمام شافعي لكن الأنشاء مذهب أبين المذهب الجديد إن النوع مذهب إن بعد نبيو كلي فين سانزي كلي فين عالدان لإيجيب لي فين رتوني إن فين أبغى نستن ما بعد لي فين يانكو بعد بروف لي فين ديفلوب سلمان ميتودولوجي كوت إن بعد نبيو كلي فين سانزي. Donc إمام شافعي ده سؤال أبي à un moment les fins sens beaucoup sur ban l'opinion la cause on peut trouver ban savant dire Imam Shafiri tiens al madhhab al qadim the old madhhab and the new madhhab. Alors là on trouve une autre leçon qui nous trouve qui ban savant tant que j'ai encore pu acquérir la connaissance et ban l'opinion qui se changeait se paraît fixe parce qu'il se paye une nouvelle preuve et un dimon à un moment il n'est pas capable de tout la cause on peut trouver il y a beaucoup ban savant qui après un certain moment se change de fatwa. Il y a quelque chose qui est possible. Il y a une petite chose qui est possible. À ce temps, il ne fallait pas nous faire comment ça va du monde qui je pas moufti, je finis du monde au mimbar, je finis de taper ça, pas gagner, mais dans le Coran ça. Après 4-5 ans, après, il est venu, il dit non, on connaît la divergence, mais ben ça va. Mais dès le départ, pas tu fais une fatwa, parce que pas tu encore arrives au niveau de une fatwa. Alors ça, c'est ce qui nous dit ijtihad, c'est pas une petite chose qui zouzou. La cause, ça nous trouvait beaucoup une fait dégâts, ben qui nous pressait pour répondre. Ben qui l'a gagné, le ben maslafik, on peut trouver. Pour créer division. La cause, il fallait nous retenir parce qu'il y a quatre grands savants là, qui connus, pas quatre grands savants, tout seul, il y en a beaucoup savants, mais ben, qui, au matin, reconnaissent les imamats dans le fiqh, Abu Hanifa, Malik, Shafiri, Ahmad ibn Hanbal, Rahmatullah alayhim, ça, ben, là, c'est ben, poteux dans le l'opinion pas venant ni vis-à-vis de ces ben, savants là. Donc, vous trouvez Shafiri, et il y a des qawl au samasla là. À un moment, il considère qawl au sahabi comme hujja, comme preuve. À un moment, il considère, après il finit tout le sahabi opinion là, il dit non, qawl au sahabi, l'opinion d'un sahaba dans lui-même les peines preuves. Dans lui-même les peines preuves. Alors maintenant, nous venons avec, s'il y a des différentes opinions, veut dire qui ça qu'il y a une bonne preuve. Nous guettons. Ban savant qui je dis qui quand le sahabi un sahaba une dienne parole peine aucun sahaba qui fait contredire lui et sa parole qui lui fait dire là il pas fait propager par un ban sahaba parce que s'il était propagé banen comme sa parole là je ne reste tranquille là il tu une preuve automatiquement tu viens comme un ijma parce que ban sahaba je tu ne reste tranquille quand il dit sa parole là veut dire c'est que c'est le pion bizarre bon parce que tout sahaba est d'accord mais là ne peut cause un sahaba il donne une fatwa. Ça, l'opinion là, il y a personne qui ne contredit Ali, mais c'est moi, nous ne connaissons pas tout Sahaba, nous connaissons qui lui fait dire. Alors, ça, quand là, ça a été l'opinion d'un Sahaba, là, est-ce qu'il y a une preuve? Comment nous fait dire? Dès l'opinion d'un là, nous avons ban qui dit qu'il y a une preuve dans les mêmes. Ban savant qui dit, sa parole de Sahabi, de sa définition qu'il nous fait donner là, quand le Sahabi, il y a une preve dans les mêmes qui fait, je te prends, c'est quoi? Je t'amène ban ayat Qur'an, ban hadith, il y a beaucoup ayat Qur'an, il y a beaucoup hadith qui montrent supériorité de ban sahaba. Un exemple depuis Qur'an, un exemple depuis hadith. Pas un, il y en a pas, on va dire certains, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup ban preuve de Qur'an, de hadith qui montrent supériorité de ban sahaba ou ban les autres du monde. Par exemple, dans surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wassabiquna al-awwaloun »
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ban qui finalement embrasse l'islam, ban ban précédent, sabiqoun, al-awwaloun, ban premier précédent, depuis ban muhajirin, ban premier qui finalement embrasse l'islam, ban muhajirin, et ban ansar, veut dire ban qui finalement embrasse l'islam dans Madina, et ban qui finit suivre dans le bien, dans ihsan, dans l'excellence, radiyallahu anhum, Allah est satisfait avec eux, wa radou'an, et eux finissent satisfaits avec Allah. Et vous trouvez Allah il inclut ban qui suit ban sahaba al-walladina ittaba'uhum ban qui suivent sa ban sahaba là je ne gagne la satisfaction d'Allah donc ne peut trouver là dedans qu'il ne besoin suivre ban sahaba pas la doute alors ben là dire ban sahaba se dire ben voilà ça est l'exemple et n'a tant de ayat Coran qui vient dire nous qui ban sahaba et n'a tant de vertu c'est ban meilleur dimon kuntum khayra bami ban c'est ban hadith ban ayat Coran qui ban sahaba se servir pour dire qui parole de un sahabi dans les mêmes il y a une preuve nous besoin suivre nous pas car un sahabi pas car dire non vous faites jihad quand il a déjà une parole de un sahabi avec lui alors parmi la danse c'est kuntum khayra ummatin je même meilleure ummat al mufassirin beaucoup de mufassirin disent ça les réfère à ban sahaba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas je même meilleure umma qui nous tirait depuis l'humanité ban sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec hadith خير الناس قرني le prophète dit meilleur du monde c'est ma génération génération de ben sahaba qui vivent avec lui par exemple il y a l'autre hadith quand le prophète dit la tasubbu ashabi n'a pas insulté mon ben sahaba si un parmi eux qui dit dépense montagne ou houd en l'eau ça il n'a pas tu pouvais et est-ce qu'il est oui en l'eau il mentionnait un parmi eux dépense montagne ou houd en l'eau les pas tu pouvais mud c'est sa quantité là mud veut dire une quantité que nous prenons de la main nous mettons dans du blé un par un mud qui est un sahaba les dépenser un sahaba sa quantité là les dépenser il prend une quantité tam dans sa un mud c'est ça à mes yeux là nous prenons de la main nous mettons dans un sac qui est la tam nous tirons ben ça un mud un sahaba les dépense un poignet tam les pas pour vous veut dire nous dépense montagne ou houd nous montons au haut dans nos qui nous dépensent les pas pour vous ça tiquit tam qui s'arrabala une dépense de ces mal là parce qu'ils ont de sincérité comment je t'étais pas pareil je t'y action nous nous faire montagne action pour je fais un t'y action je t'action dans plus valeur parce qu'ils étaient je de sincérité je iman pas t'y pareil comment nous alors nous incomparable avec je donc nous bizarre ben savant qui dit parole de sahabi qui ne tient parole personne pas fait une contredire lui ni ne connaissent pas les autres sahaba ils ne connaissent ce qu'il vient dire je dis du bizarre prend sa parole ne pas capable faire ijtihad comment nous gagne une parole un sahaba il dit qu'il soit le masla pas besoin faire ijtihad prend sa parole là il suffit arrête la même alors ça je preuve ça qui ne vient de mentionner là quelques preuves ça aussi parmi là dedans preuve logique c'est qui ben là fin dire avec les prophètes je comprends le Coran plus bien que nous. Je comprends la langue arabe plus bien que nous. Je comprends le hadith plus bien que nous. Je n'ai plus de connaissances que nous. Donc, quand je ne dis qu'il y a une chose, nous payons le droit moral pour faire un jihad encore, pour amener notre opinion pour contredire le sahabi. Pas pour capable. Alors, ça, c'est l'opinion de Jumhur al-Ulama. À ce titre, nous avons fait une dire, parmi l'imam Shafiri, il y a encore un savant qui n'a pas fait une considération. Je n'ai pas fini de considérer ben, l'opinion de un sahaba dans lui-même comme une preuve. Right? Alors, qui preuve je n'ai amené? L'imam al-Ghazali de ce livre al-Mustasfa, il dit comme ça, ben, savant qui, je n'ai pas fini de considérer parole de sahabi comme une preuve dans lui-même, il dit comme ça que je n'ai trois preuves que je n'ai amené principales. L'imam al-Ghazali, il dit, premièrement, c'est qu'il y a une petite chose qui est qui définitif, qui ban sahaba, je pas infaillible. Al-isma, ça s'appelle al-isma. Al-isma, ban shi'a, je veux dire, je ban imam, ma'asoub. Pardon, pas fait erreur. Pardon. Par contre, ahlu sunna wal jama'a, ne pas dire qui ban sahaba, je ma'asoub, je prone to error. Je pas infaillible, capable d'arriver, je fais erreur. Ça est une preuve, qui m'a mal raza, lui dire, qui ban sahaba, qui pas considérer qu'on le sahabi comme preuve, je dis qu'un sahaba n'est pas ma'soum. Deuxième, Imam al-Ghazali lui vient montrer
Imam Al-Ghazali, il vient montrer, il y a preuve que je t'amène, qui le fait qu'il y ait un sahaba fait un akhilaf parmi eux. Beaucoup de masla, beaucoup de masla. Les parties guident ça. C'est lui qui apprend le fait qu'il les connaît. Beaucoup de sahaba dans beaucoup de masla, ben sahaba se font diverger. Le fait qu'ils se divergent, ben montrer qui veut dire bien un qui dans le haq, un qui bien dans son ijtihad, il fait erreur. Attention qui ne peut penser, qui ne peut dire qu'un sahaba il fait erreur ou un masla, ne peut diminuer le cadre de sahabi. Fallait pas, il a dit mon il a mauvaise intention, il coupe un bout de ce qu'il nous fait dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit idajtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Le mujtahid, le hakim, le juge, quand il donne ce verdict, il fait ijtihad, il gagne la bonne réponse, il gagne des récompenses. S'il fait erreur, il gagne une récompense, c'est pas qu'un péché. Donc, quand il peut dire ben sahaba, fin diverger le ben masla de fiqh, alors, quand il peut dire il fait erreur, il gagne la bonne réponse. Pas veut dire qu'il ne peut humilier sahabi, attention qui un dimon ne peut attribuer à nous qu'il ne peut abaisser sahaba, non, jamais, jamais. Ah, jamais ne peut dire pas là qu'il y a un sahaba, il peut gagner un péché. Non, il n'a pas gagner un péché. Il fait ijtihad, il a dès l'opinion, le mal masla fait, mais il y en a un qui est vrai. Alors, il peut gagner un sahabi là, il style, il peut gagner une récompense, même si c'est l'opinion, il peut faire gagner hack de sa masla là. Alors, ça lit beaucoup ça. Il y a quelque chose qui, un dîme qui apprend dîme, il y a beaucoup masla qui mène sahaba. Je vais vous montrer de l'exemple. Mène sahaba, comment il vient trouver d'aller là, le masla zakat, il vient trouver. Un man sahaba, Ibn Omar, fin trouver qu'il paye un petit zakat dans bijoux. Ibn Mas'ud, fin dire bizen tes zakat le bijoux. Alors, bizen est l'opinion qui est vrai là-dedans. Et n'en qui, n'est pas fin gain, hak de sa masla là. Alors, tout ça là, c'est pas qu'il ne peut diminuer l'importance du man sahaba. Donc, Imam Al-Ghazali, il dit, mais si man sahaba, je peux arriver, il a différent l'opinion entre eux. Ça, il y a une preuve qui, l'opinion dans les mêmes, il pas une preuve, il pas une hujja. Deuxième. Deuxième opinion. Troisième, ban sahaba là, je même je fin dire qui je fin dit qu'il imam Ghazali dit ça, wa tasrihuhum bi jawaz mukhalafatihim fihi. Et dire ban sahaba là même fin dire qui li possible qu'un dimon peut contredire moi. Et parfois ban sahaba quand je peux émettre l'opinion, je dis ça c'est mon opinion, si li bon li vin depi Allah, si li pas bon c'est mon erreur. Je peux montrer, je peux même te montrer qui je suis pas infaillible. Je suis pas infaillible. Alors, ça, c'est trois points fondamentaux qui ban qui pas croit dans, ban qui pas considère l'opinion sahaba comme une preuve dans les mêmes. Je t'amène ces trois points-là. Nous terminons avec une jolie parole de Imam Ash-Shawkani. Et sa parole-là, ban frère et ban sœur, nous élogions, nous pas garder les islos samasla ou sous, là. Nous prenons les poudines en entier. Qui fait parce qu'il y a trop beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent dire quelque chose qui fausse le dîner Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shawkani, il dit, là, nous tiens une leçon, nous pouvons sortir en dehors sur le fait. Les consiennes. Imam Shawkani, lui aussi, pareil, il n'est pas considéré l'opinion sahabi comme une preuve de lui-même. Mais ce parole jolie qui lui montre, nous, qui nous balance dans le dîner. Pour qui, ben, du monde qui peut venir inventer le dîner Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole-là, elle est tellement convaincante. Imam Shawkani, il dit, والحق أنه ليس بحجة. Alors nous pouvons terminer avec sa parole là, concentrez bien l'eau là. Imam Shawkani il dit, والحق en vérité, أنه ليس بحجة. قول الصحابي ليس بحجة. Parole d'un sahabi n'est pas une preuve de lui-même. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا. أو نبينا محمدا. Alors, il dit, parce qu'Allah n'a pas fait envoyer dans sa ummat-là personne, excepté nous, Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, laysa lana illa rasoulun wahid, et nous payons excepté un seul rasoul, wa kitabun wahid, un seul livre, wa jami'ul umma ma'moura bittiba'i kitabihi wa sunnati nabiyihi, sallallahu alayhi wa sallam. Tout sa ummat-là en entier, je fais une gain l'autre pour suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète. Et il dit, la farq bayna as-sahaba wa bayna man ba'dahum. Pas la différence entre sahaba et ben qui vient après. Qu'il dit, sa ummat là en entier gagne l'autre pour suivre Coran et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça les pour tout sa ummat là. Pas la différence entre ben sahaba et ben les autres. Veut dire ben sahaba aussi,
j'ai besoin de suivre Coran et Sunna. فَكُلُّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِتَكَالِفِ الشَّرْعِيَّةِ Tout sa ummat-là, je vais être responsable pour implémenter l'obligation de la charia. بِتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ Pour suivre Coran et Sunna. فَمَنْ قَالَ C'est lui qui dit إِنَّهَا تَقُومُ الْحُجَّ فِي دِينِ اللَّهِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ C'est lui qui dit qui est la preuve dans din Allah, autre que Coran, wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna du prophète, c'est lui qui dit qui est la preuve, et la preuve dans autre que le livre d'Allah, autre que rasul sur sunna, wa ma yarji'u ilayhima, et dans ce qui retourne vers Coran et sunna. Comment ben les autres preuves? Qiyas, ijma. Qad qala fi din Allah bima lam yathbut. Tout celui qui dit qui dans autre qui Coran et Sunna et ben les autres preuves qui basent le Coran et Sunna et la preuve d'un din Allah les pédiens qui tous qui peinent à fondre dans din veut dire tout preuve les bases le Coran et Sunna et ce qui retourne vers Coran et Sunna right? Alors ce qui et Imam Shawkani dit c'est ça le preuve Coran et Sunna même les Sahaba n'y a l'autre sur Coran et Sunna alors donc ben frères et sœurs ça c'est l'opinion de ben Sahaba qui dit parole de Ban Sahabi n'est pas une preuve dans lui-même. Nous venons avec maintenant Ban Masla, quand l'imabni, l'ibazé l'eau, nous des Masla, qui basé l'eau, quand le Sahabi. Quand un Sahaba dit une parole, et sa parole-là, Ban Sahaba s'est visé comme une preuve pour un hukum dans la loi islamique. Et un athar dans Mouattaï Malik, quand Omar ibn al-Khattab, li fin li NVC côté na prophète il a sijda tilawa li tilo minbar allo apparemment oui yom el jumaa ça Omar da khutbat el jumaa li be fait khutba li li NVC qui na li li NVC qui na tilawa VC sijda tilawa li fin desan li fin fait sijda et ben dimon tu fais sijda parce que tu fais khutba dimon tu peux écouter li allo li NVC de tilawa de sijda ben les fins faire sijda et ben dimanche les fins faire sijda le jumma ensuite l'inré lié NVSC même VSC côté natilawa et côté sijda pour faire ben dimanche commence préparer pour faire sijda les fins jamana ala rislikum matanatan inna Allah lam yaktubha alayna Allah pas fait de médecin obligation pour nous illa an nasha excepté si nous envie falam yazud wa mana'ahum an yazudu ibn Hazrat Omar pas fait de faire sijda et les fins jamana dimanche pas besoin faire qu'il est refait par là, il remontre qui sijda tout tilawa, c'est un quelque chose qui sunna, n'est pas une obligation. Premier jumma, il fait une sijda, deuxième jumma, il pas fait une sijda pour ça VSC là. Alors il remontre qui ça c'est une action qui sunna, n'est pas une obligation. Alors ban savant qui prend qaul sahabi comme une preuve, je dis sijda tout tilawa, n'est pas une obligation, n'est pas une obligation. Basanlo action de Omar ibn al-Khattab. Un deuxième, Masla qui base au Qawl al-Sahabi. Je disais, mentionne ça, Othman ibn Affan, radiallahu an, dans Muwatta Imam Malik, il dit, An il a'raj, anna Othman ibn Affan, warratha Nisa'a ibn Mukmil minhu. Wa kana talaqahun, wa huwa marid. C'est un djimoun qui s'appelle Ibn Mukmil. Il finit d'un talak sur ban madame dans ce dernier moment qu'il quitte sa dunya là. Alors, il finit d'un talak sur ban madame dans le dernier moment qu'il quitte sa dunya, il est malade. Et alors, quand il y a un talak, il y a une madame qui a ce troisième talak. Alors, il n'est pas supposé hériter depuis ce monsieur parce qu'il est une étrangère. Il y a une madame, il y a ce troisième talak, il est séparé avec ce monsieur. Alors, il est une étrangère. Quand ce monsieur est là, madame n'a pas supposé qu'il y ait un héritage parce qu'il finit bien à l'étranger, il n'est plus sur madame. Mais ici, ça dit mon là, il donne talak dans ce moment, dernier moment de l'amour. Alors, Hazrat Othman, malgré ça, finit donne sur madame l'héritage. Attention, comment dire, l'esprit derrière là, c'est qu'attention, dit mon là, il a envie de déshériter sur madame. Alors, Othman bin Affan, il donne sa fatwa là. Qui même dit mon là, il peut donner talak. Bah, il dernier talak de ce madame, il peut donner ça dans un moment qu'il est malade, il est prêt pour mourir. Othman, j'ai besoin d'une madame à l'héritage. Alors, sa fatwa là, ban qui dit, un djimouni d'un talak sur madame d'un moment qu'il est malade, il est prêt pour mourir, il est prêt d'un talak ba'in, je dis, ban qui prend sa Qawlu Sahabi comme une preuve, je dis, j'ai besoin de faire madame là qu'elle soit l'héritage. Ban qui pas considère Qawlu Sahabi comme preuve, je dis, non,
Madame Lin s'est parée, elle est étrangère, il paye là pour gagner l'héritage. Voilà un petit peu le Sahabi commence à être considéré pour c'était comme une source de la loi islamique et n'a comme pas considéré comme une source de la loi islamique. Alors, ce qui est important, frère, sur l'islam en général, c'est qu'il dandine nous base nos preuves. Là, le père prend une bonne preuve qui est l'ijma de ban savant, là. Après, il va prendre une bonne preuve qui est ban savant divergé, mais qu'on est qui rêve, ban qui peut prendre rêve, peut prendre rêve comme une source dandine, qu'on est qui ça s'est battu. Ban qui peut prendre parole, d'une cause de parole, sahaba. Et la divergence, c'est qui parole sahaba, il considère comme une preuve de lui-même. À ce moment-là, du monde, il peut prendre un grand, grand livre. Oui, vraiment, le livre là grand. Mais seulement, il reste livre de un savant. Il reste qui est un livre de un savant. Il pas maasoum. Il pas maasoum. Alors, n'importe qui m'a cela, quand il me dit, voilà, telles affaires, nous guetter. Est-ce que ça, la cause, ça, Imam Malik dit, Kullun yukhadu bi qawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr. Tout le monde, ce parole, est accepté ou bien être rejeté, excepté le compagnon de sa qabar là. Il peut montrer qabar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dire tout le monde ce parole, qu'il y soit sahaba, qu'il soit pas, qu'il soit sahaba ou bien autre qui sahaba, ce parole capable d'être pris ou bien être rejeté, excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il apporte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma'soum, infaillible, pena. Tout le monde est capable d'arriver à faire rien. Donc la cause, ça, nous mesurons ce Coran et Sunna. Qu'Allah ta'ala fait nous vivre avec l'adhérence à la Coran et Sunna. Si nous acceptons ce principe-là, si nous acceptons ce principe-là, c'est même qui me chagrin, me trouve, ben, du monde peut raconter, ben, des histoires, peut faire du monde à tasse avec Kabar. Ayat Coran, Hadith, peut venir montrer du monde à tasse l'équipe avec Allah. À tasse l'équipe avec la case Allah. Allah, la case Allah. Imam An-Nawawi dit, la case Allah, c'est ma place quand Allah sur Rahmat Tisani. Quand on assiste d'après mes saf, ange fait doigt pour. Tout ça, ayat Coran, Hadith, qui est dans le Valia Masjid, il dit avec Allah. Un dimon, il prend un livre, il dit, tel grand savant, Allah, il raconte un rêve, une histoire, un rêve. Hein? Ça dit, mon là, tu as le code Kabar. Il dit, fait, pas fait, dimon, là, t'as l'équipe avec Kabar. Au contraire, il y a un Hadith qui nous met nous en garde, qui nous attache nous l'équipe avec Kabar. Il y a un Hadith, il dit, nous pas fait namaz à direction Kabar. Il y a un Hadith, il montre nous, n'a pas à faire ma construction le Qabar, qui fait attention, du monde, je te l'ai dit, à la tasse, je te crois qui est là, du bien, capable de gagner avec ça, du monde qui est dans sa Qabar là. Du bien, c'est même qui nous dit, la hawla, wa la quwwata illa billah. Il n'a aucun du bien, aucun la fausse puissance, excepté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a quelque chose qui est une haqaïque, une vérité qui est claire dans sa dîme là, ça. Il n'a ambiguïté. Il n'a pas de masla qui est ambigu. Par exemple, si nous pourrons dans masla, bijoux, il y a beaucoup de savoir, ça quand même une bonne preuve. Il y a beaucoup de masla qui est profond, mais il y a un masla qui est ma'loum min ad-din bi ad-darura, appelle ça. Qui, la masse, il bien connaît ça, qui doa d'iman dit avec Allah. Doa d'iman dit avec Allah. Un djimoun, il y a un masla aussi sensible que ça, un petit peu de iman, de kufr, de shirk. Un djimoun, il prend rêve, il vient montrer djimoun à tasse l'équipe avec djimoun qui est de khabar. Alors, nous besoin d'iman avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mon serviteur pose-toi question concernant moi, إِنِّي قَرِيبٌ, mon prêt. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, me répond l'appel de celui qui invoque moi. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, me répond l'appel de celui qui invoque moi. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, que je réponds moi l'appel. Allah subhanahu wa ta'ala Oujibu da'wat ad-da'i idha da'an, me répond l'appel de celui qui invoque moi. Comme il place là comme ça, dans un sens là. Amman yujibu al-muttarra idha da'a. Si ce n'est pas Allah qui répond l'appel de celui qui est en difficulté quand il est invoqué. Alors, tout ça là, il y a un hadith. Idha sa'alta fas'alillah, quand tu demandes, demande avec Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, quand tu cherches aide avec Allah. Il n'y a pas qu'à permettre un djimoun de dire al-djimoun avec le taqwa d'Allah. Ça, c'est pas une. Un djimoun dit à mon pas faire fouler d'un. Ok, ton imam il dit ça, pas fait non, il a ce preuve, oui, il a accepté. Il dit ça. Tu as envie de faire, tu as envie de guetter la ligne internationale, pas pour discuter avec toi, là, ça, tu as envie de faire local international, tu as envie de faire 8 rakat tarawih, tu as envie de faire 20 rakat tarawih.
Ok, Naman, ça va finir de prononcer là. Ça, c'est un masla de fiqh. Il y a beaucoup de divergences dans le fiqh. Mais dans l'Aqida, non, pas pour l'espacer. Dans l'Aqida, non. Quand il s'agit de tawhid avec shirk, ça, fallait pas une ambiguïté. Ça, les bizarres viennent quelque chose qui est clair. Fallait pas qu'il y ait une ambiguïté. Ça, nous pas qu'à, dans l'Aqida, nous pas qu'à accepter. Nous pas qu'à accepter divergence dans l'Aqida. Dimitri, ben, masla fondamental dans l'Aqida, pas capable de venir divergence. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous finit en dé. Et qu'Allah Ta'ala fait nous toujours attache nous avec Coran et Sunna et les préserve nous contre l'égarement, les protège nous contre l'égarement. Et qu'Allah Ta'ala donne nous toujours au champ pour continuer à apprendre ce dîme. Wa akhi da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.